Deuxième inauguration, parce que maintenant c'est la deuxième ligne du tramway qui va permettre de relier Chenôve au centre-ville et à Toison d'Or. Donc c'est une belle journée pour l'agglomération, une belle journée pour Chenôve, et puis en plus avec un transport en commun qui est beaucoup plus rapide que le bus, et qui va permettre aux habitants de Chenôve de pouvoir se rendre plus facilement et surtout plus rapidement, notamment au centre-ville, à la gare et dans tous les équipements qui leur sont utiles. Voilà. D'accord. Et une simple question, oui. Dans les projets au futur, il y aura une extension du... D'abord, il faut apporter les ajustements nécessaires, notamment pour le réseau de bus et puis bien sûr le fonctionnement du tramway. Et puis après, à l'avenir, il y aura forcément d'autres projets. Pour l'instant, ils ne sont pas encore définis. Ce sera certainement l'objet de débats à venir avec les élus de l'agglomération et puis avec les citoyens. Par contre, pour l'instant, on a déjà terminé ces deux lignes et on n'est pas en train d'en commencer une nouvelle tout de suite. Voilà. D'accord. Son ascenseur, pour les personnes à mobilité réduite, ses équipements d'information et d'accueil pour les voyageurs, en soulignant les qualités architecturales, fonctionnelles et urbaines de l'ensemble. Si vous... La gare, c'est aussi un centre opérationnel. Nous rentrons dans la galerie avec bien sûr un confort renforcé pour les voyageurs. Donc la volonté de créer ces deux galeries pour avoir des conditions d'attente importantes et installer des commerces à proximité des flux de déplacement des personnes. Premier train au dernier train, soit de 4h15 à 0h15. Chaque jour de semaine, 170 trains, 50 000 par an, y sont accueillis ou en partent. 120 TER, vos TER, vos trains, Monsieur le Président, 48 TGV et dès demain les 4 trains de nuit internationaux de Tello. Après 3 mois de travaux, nous sommes fiers aujourd'hui d'inaugurer la ligne 2 du tramway dès aujourd'hui. Donc l'ensemble du réseau du tramway de l'agglomération dijonnaise est en service et donc permettra de relier des grands pôles, c'est-à-dire Quetigny, le centre-ville et le parc Valmy et Chenôve bien entendu. Donc c'est une grande fête populaire, les commerçants y sont également associés ainsi que tous les Dijonnais. Voilà, et le temps est au rendez-vous, donc c'est une très belle journée avec des belles animations tout le long de la ligne 2, sur le port du canal, au parc Valmy, au Grand Dijon. Donc voilà, nous sommes les élus du Grand Dijon, sommes très fiers avec le président François Rebsamen de ce beau moyen de locomotion. On va inaugurer officiellement cette place d'Arcy, qui est devenue une magnifique place qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être et qui n'est plus cette autoroute urbaine avec 8 voies. Et donc c'est un moment très agréable pour la ville et il sera encore plus beau au printemps quand les arbres auront des feuilles. Mais on va dévoiler la plaque avec monsieur le préfet qui est là, qui nous fait le plaisir d'être là, avec les élus, avec Laurent, Grand Guillaume, on est tous là, alors on dévoile la plaque, voilà. Et elle sera installée, disons, sous la porte Guillaume. J'ai la tête qui verra.